Bonjour à tous et à toutes, une nouvelle vidéo, cette fois-ci direction le canal d'évacuation du lac du Temple. Je vais filmer le lac, mais bon, je ferai une vidéo à part hein, sur l'autre chaîne que j'ai aussi, j'ai trois chaînes en tout. Celle-ci la principale, la deuxième sur les imprimantes 3D, et la troisième sur les animaux, sur la nature en général aussi. Je filme pas mal d'oiseaux. Voilà, c'est l'avantage d'être à côté d'un lac, de trois lacs réservoirs. Il y a beaucoup d'oiseaux migrateurs, il y a beaucoup de personnes qui viennent avec des longues vues qui font 10 mètres de long pour justement pouvoir filmer et photographier les oiseaux magnifiques. Et ça, personne vient de l'Europe entière, hein. Des Allemands, des Belges. Voilà. Autonomie toujours intéressante. Alors évidemment, il fait 21 degrés. On est le 25 octobre, il fait 21 degrés. À 16 heures passées. Encore demain, et puis après c'est fini. Température s'effondre. C'est brutal. Personne ne commence à connaître hein. La digue du lac dans la partie la plus basse, c'est là que je vais me stationner. Environ la digue cette partie là fait environ 30 mètres de hauteur. L'épaisseur, je sais pas, c'est épais, ça c'est sûr. Je reprendrai la vidéo routière après, hein, c'est pas grave. Je parlerai de la Peugeot 208. Entre autres. Voilà. Là, c'est la grande descente. Indique le plus bas niveau, enfin le niveau le plus bas de la digue. Voilà un petit parking. Donc faut prendre la rampe et puis bien jusqu'en haut. Je vous reprends après. Les grues. Elles sont tellement pourries les marches d'escalier qu'il y a même des champignons qui poussent. Je ne sais pas si c'est comestible, mais il n'y aura pas de raison que ça ne soit pas. Voilà. Hop. Ah ça évacue beaucoup d'eau encore. Hein.
Ça, je ne sais pas si ce sera refait un jour. C'est dommage. Parce que c'est le seul passage pratique pour aller en haut de la digue pour les piétons. Et en plus, il y a un panneau touristique indiquant certaines caractéristiques de ce lac qui sont juste... Il est juste là, le panneau. Voilà. Alors, pour se garantir, bien entendu, ils ont mis un espèce de panneau de sens interdit. Et ça... c'est ridicule, quoi. On verra bien. Je ne fais pas de critique, hein. Ouh là là, non. Là, il y a un noisetier qui pousse. S'il laisse dans les temps comme ça, ben dans 5 ans, ça va faire un beau noisetier qui va être à ma hauteur. Ça va être beau comme tout. Ouais, il devrait laisser comme ça. Après, toute la nature reprend ses droits. Là, ici, c'est un frêne, un petit frêne. Voilà, les marches bétonnées, ça aurait dû être fait jusqu'en haut. C'est peut-être un investissement au départ, mais c'est pour du long terme. Et oui. Voilà, la digue. Qu'est-ce qui sort de la digue ? Alors on voit qu'il y a quand même encore de l'eau. Bon, il y a eu quelques pluies, ce qui a permis de limiter la casse. Et vu la douceur qu'il y a. La nature un peu déboussolée.